السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، en ce mercredi 30 شوال 1432 ليجير، ce qui correspond avec le 28 septembre 2011, nous sommes inshallah ta'ala la cinquième partie du livre Boulour al-Maram. Et on va parler aujourd'hui aussi de certains fawaïd qu'a tiré l'éminent savant Cheikh Ibn Uthaymeen alayhi rahmatullah de ce livre qui comporte, je crois, 7 ou 8 tomes. Voyez. La première faïda, inshallah ta'ala, le Cheikh dit Ta'lil al-ahkami fihi ثلاث فوائد. Il dit le fait que Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre ou que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna, quand il donne un jugement, ils disent cette chose c'est haram, cette chose c'est halal, cette chose c'est makruh, et comme ça il dit c'est toujours suivi par quoi? Par le fait de montrer la sagesse, la hikmah. Non. Il montre toujours quelle est la cause. Pourquoi cette chose a été interdite, pourquoi cette chose, il ne faut pas la faire, pourquoi cette chose, il faut la faire, et comme ça, il donne toujours la hikma. Pourquoi? Maintenant, le cheikh va répondre. Il dit, pour trois raisons. La première, بَيَانُ سُمُوِ الشَّرِعَةِ وَأَنَّ أَحْكَامَهَا مَقْرُونَةٌ بِالْحِكْمَةِ. Premièrement, c'est pour montrer yani, la grandeur et la noblesse de la sharia, et que tout ce qu'elle comporte comme jugement, c'est, yani, ça vient d'une grande sagesse, la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce ne sont pas des choses, yani, ou là, des jugements, qui n'ont yani, aucune sagesse. C'est juste pour dire ne faites pas cette chose, ne mangez pas cette chose, yani, et comme ça. Yani, sans que ça ait une sagesse derrière cela. Il dit non, ça c'est pas possible. Donc premièrement, c'est pour montrer quoi? C'est pour montrer que tout ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, son prophète, alayhi salatu wa sallam, derrière cela, il y a une grande sagesse. La deuxième, pourquoi il montre la hikmah? La deuxième, il dit « Ziyadatu tuma'ninati al-mu'min ». Il dit, la deuxième cause c'est que lorsque tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala a par exemple interdit cette chose à cause yani, de voilà ce qui va arriver yani, si jamais on fait cette chose. Il va montrer yani, ce qui va en découler comme yani, malheur et ça. Dans ce cas, la personne, le croyant, va sentir son cœur apaisé. Allah subhanahu wa ta'ala ne m'a pas interdit, par exemple, de boire l'alcool, parce que Allah Ta'ala, yani, disons, sans raison, ne buvez pas l'alcool, n'essayez pas de comprendre pourquoi. Mais s'il m'a interdit de boire l'alcool, c'est à cause des grands méfaits, hein, des grands méfaits qui, yani, en découlent pour la personne qui transgresse les lois d'Allah Azza wa Jalla. Donc, c'est cette chose-là, aide à quoi? Aide à apaiser mon cœur. Quand je connais la hikma, je connais la sagesse derrière l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien derrière le fait de
yani, qu'il m'ait ordonné de délaisser une chose, donc ça apaise mon cœur. Et troisièmement, quand je sais maintenant pourquoi cette chose, par exemple, a été interdite, quelle est sa cause, ou là, pourquoi elle a été ordonnée, la troisième des choses que je gagne, c'est quoi? C'est que H529. Maintenant, si par exemple, je ne sais pas pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a interdit l'alcool. Par exemple, je ne sais pas pourquoi. Bon, alors qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas boire l'alcool et ça s'arrête là. Maintenant, si quelqu'un va me dire, et la drogue, est-ce qu'elle est interdite? Je vais lui dire, je ne sais pas. J'ai cherché dans le Coran, j'ai cherché dans la Sunna, j'ai trouvé seulement que ça parlait d'alcool. Il n'y a pas de drogue. Donc, je ne sais pas, Allah alam. Mais maintenant, si je connais la sagesse et que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit l'alcool à cause de quoi? À cause que ça enivre, ça saoule, ça il perd sa mémoire, il perd sa conscience, il sait plus ce qu'il dit, il sait plus ce qu'il fait. Et on va maintenant aussi comparer alors entre la drogue et l'alcool. Et on va trouver que la drogue, c'est 10 fois ou 20 fois plus que quoi? Yani, le mal qu'elle comporte est beaucoup plus grand que celui de l'alcool, donc je n'ai plus de doute que la drogue aussi est interdite. Mais si je ne savais pas, je savais pas la raison, pourquoi Allah a interdit l'alcool, si je ne savais pas pourquoi, c'était à cause de l'enivrement, je n'aurais pas su que c'est interdit aussi l'alcool, la drogue. Donc, voilà les trois, yani, hikmah qu'il y a, bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala, quand on sait, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous montre, pourquoi Yannick, il a interdit par exemple une chose. Là, il y a autre chose, inshallah ta'ala. Le cheikh, dans la page 569, dans la page 569, dit Al-ibdalu naw'an, a'yanun wa awsaf. Il dit Al-ibdal, a'yanun wa awsaf. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Yani le changement, le fait de changer. Le fait de changer, yani, il dit, ça, yani, il y a deux sortes. Rien. Des fois, c'est l'essence qui change. L'essence de la chose elle-même qui change. Et des fois, c'est seulement l'attribut de cette chose qui change. Ce n'est pas son essence. On va donner un exemple. Non. Une seconde. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a dit dans le Coran, الَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. Il a dit, وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ. Attendez, je vous rappelle l'ayat. Non, وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. Il a dit, إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا أُولَٰئِكَ أُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. Il a dit, auparavant, il a dit que c'était interdit de faire l'association, c'est interdit de tuer quelqu'un yani, sans qu'il mérite. Ensuite, il a dit, c'est interdit de faire la zina. Ensuite, il a dit, celui qui fait ça, yani, il va trouver un grand châtiment qui l'attend, etc. Ensuite, il a dit, mais celui qui va faire la tawba et va faire de bonnes actions, il a dit, celui-là, ou bien ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala va leur changer leur péché en hasanat, en récompense. Ici, le changement, c'est un changement d'attribut ou bien d'entité. C'est un changement d'entité. La chose elle-même, elle a changé. Quand la chose elle-même change, on dit changement d'entité, changement d'essence. Changement d'essence. Si c'était une voiture, c'est devenu, par exemple, un vélo. Ça, c'est un changement d'essence. Il n'y a plus de voiture. Son essence est partie. Maintenant, c'est tout à fait une autre chose. Ici, c'est la même chose. C'était péché, c'est y être, c'est devenu hasanat, mashallah. Mais des fois, le changement, c'est quoi? C'est seulement un changement d'attribut. La chose reste, la chose change, mais son essence reste. C'est seulement ses attributs qui ont changé. Par exemple, lorsque Allah Ta'ala dit dans le Coran, يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ, le jour où la terre changera, deviendra une autre terre,
et aussi les cieux. Comment on dit ça? C'est une traduction rapprochée, hein, à peu près. Donc, Allah Ta'ala, il a dit que va venir le jour où il va changer la terre, hein, et il va changer les cieux. Ici, sûrement, ce n'est pas un changement d'essence. C'est seulement un changement d'attribut. La terre va rester elle-même. Et les cieux vont rester, mais ils vont changer. Yani, comment qu'ils vont changer? Yani, par exemple, la terre, vous savez que maintenant, le Subhanahu wa Ta'ala a créé la terre, il a fait de façon qu'elle soit ronde. Presque, yani, comme un ballon. Ils ont comme un melon. Mais, quand il dit la terre, elle va finir ce monde, comment va devenir la terre? Elle va devenir plate. Comme il a dit dans le Coran, wa idal ardu muddat. Ici, la terre va quoi? S'aplatir. Donc, la terre elle-même, elle est toujours là. Mais quel changement il y a eu en elle? Un changement de quoi? Pas un changement d'essence. Elle est toujours là. Mais un changement d'attribut. Non. Elle était ronde. Elle est devenue plate. Et comme ça, des cieux. Que va perdre la terre des cieux? Bon, partir, il ne va plus avoir de cieux. Il a dit, Yawma natwi as-samaa ka tayyi as-sijil al-kutub. Et le jour, on va plier les cieux. Plier, on va les plier. Donc, ils sont là, mais maintenant, ils sont comme ça, disons, plats, étendus. Mais demain, ils vont être pliés. Donc, ici, le changement, c'est quoi? Changement d'attribut. Donc, je résume, je dis, le changement, il y a deux. Il y a un changement d'essence, il y a un de la chose elle-même, et il y a un changement d'attribut. Tout ça pour dire, par exemple, lorsqu'on fait la prière sur le mort, qu'est-ce qu'on dit? On fait des doigts sur le mort, après avoir lu le Fatiha, etc. On fait des doigts. Entre autres, qu'est-ce qu'on dit? On dit, Allahumma abdilhu zawjan khayran min zawji. Oh Allah, faites-lui changer un époux mieux que son époux. Et on dit ça, que ce soit pour un homme, que ce soit pour une femme. Ya Rabbi, change-lui une maison mieux que sa maison. Une famille mieux que sa famille. Et ensuite, on dit un époux mieux que son époux. Maintenant, si c'est un homme, il n'y a pas de problème. On a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lui change un époux mieux que son épouse. Il va lui donner un qiyama mieux. Ou alors, yani, son épouse elle-même. C'est-à-dire, je veux dire, si on va dire que c'est un changement ici, donc il va lui donner toute une autre femme, yani une nouvelle femme. Si c'est un changement maintenant, comme on a dit tout à l'heure, seulement d'attributs, il va lui changer sa femme, c'est-à-dire elle va rester elle-même, mais sera plus belle, il sera plus charmante, il sera plus yani, de façon que yani, une grande différence entre comment qu'elle était, comment qu'elle est devenue. Ensuite, ça c'est pour l'homme. Maintenant, par exemple, pour une femme, on va lui dire, à Allah, donnez-lui un époux mieux que son époux. Et il est possible que, par exemple, cette personne ne s'est jamais mariée. Comment? On fait des doigts, même si elle n'est pas mariée, même si elle ne s'est jamais mariée, on va lui dire, Allah, changez-lui et donnez-lui un époux mieux que son époux. Ici, les savants disent, ça veut dire que donnez-lui un époux mieux que son époux qui, si elle avait vécu, et se serait mariée avec lui. Comprenez? Elle est morte avant, s'est jamais mariée. Et on dit à Allah, donnez-lui un époux mieux que son époux. C'est-à-dire, donnez-lui un époux mieux que l'époux qu'elle allait se marier avec si elle n'était pas morte. Et Allah subhanahu wa ta'ala sait que si elle n'était pas morte, par exemple, avec qui elle se serait mariée, bi-idhnillahi ta'ala. Non. Ça y est. Le cheikh dit dans la page 570. Le cheikh dit dans la page 570. Il dit Fitnatul qabri hiya su'alul malakini al-mayyit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam souvent demandait à Allah subhanahu wa ta'ala de d'éloigner de lui la fitna de la tombe. La fitna de la tombe. C'est par exemple comme dans le hadith authentique que avant de quitter une salat, toute personne, quand elle fait une salat, avant de la quitter, avant de dire salam alaikum, qu'est-ce qu'elle doit dire? Allahumma inni a'udhu bika min adab jahannam wa min adab al-qabr wa min fitnat al-mahya wal-mamat wa min fitnat al-masih ad-dajjal ou bien min sharri fitnati al-masih ad-dajjal.
Maintenant, quand on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il éloigne de nous la fitna de la tombe. Fitna al-qabr. La fitna de la tombe, le cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, vient de montrer que c'est quoi la fitna de la tombe? C'est lorsque les deux anges, les trois questions. Naqal wa munkar, lorsqu'ils viennent poser la question, man rabbuka, ma dinuk, man ar-rajul alladhi bu'itha fikum. Qui est ton seigneur, qui est le messager qui a été envoyé chez vous, ou là en vous, et Mawadinouk, les trois. Menrabouk, c'est qui ton seigneur, c'est qui le messager qui a été envoyé chez vous, Menrabouk, Mawadinouk, j'arrive pas à trouver le troisième, subhanallah. C'est quoi le troisième? Mawadinouk, Menrabouk, quel est ton seigneur? Menrabouka. Ensuite, quelle est la parole qui a été envoyée chez vous? Nabiyoukoum. Et la troisième, c'est Naam, Mahouadinouk. 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 Ces trois questions, Naam, trois questions, sont posées à la plupart des gens. La plupart. À qui, par exemple, on va pas poser cette question, par exemple, aux messagers. Par exemple, aussi. Au martyr, au martyr. Il y a des hadiths authentiques en ce sens. Mais les autres gens normaux, comme moi, comme vous, il faut qu'on passe par ces trois questions. Mais maintenant, nous, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il éloigne de nous. Et les trois questions, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle la fitna de la tombe. Donc la fitna de la tombe, c'est les trois questions qui nous sont posées. Et maintenant, nous, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'éloigner de nous. Il y a mis la fitna de la tombe, d'éloigner de nous les trois questions, alors que c'est impossible qu'il s'éloigne de nous. Donc le cheikh dit, rahimahullah, le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'éloigner de nous la fitna de la tombe, c'est-à-dire les trois questions, veut dire ici, non pas, il y a mis l'éloigner de se poser, mais il y a mis ce qui peut en découler comme malheur et comme peur et comme, il y a mis, ce qui fait mal, etc. Hein? Car ce n'est pas facile hein? À ce moment-là hein, pour répondre. Et bien sûr, celui qui ne répond pas, vous savez que c'est très grave. Hein? Donc, c'est-à-dire, on demande à l'Ospanotère non pas qu'il éloigne de nous les trois questions, ce n'est pas possible, sauf si quelqu'un meurt martyr, mais on demande plutôt, ça veut dire, Ya Allah, éloigner de nous yani, le contexte yani, difficile, vraiment là. On a la grande peur, là où yani, les gens crient, là où c'est vraiment, vraiment, yani, ça fait vraiment peur. C'est ça ce qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, d'éloigner de nous. Comme ça dit le cheikh, alayhi rahmatullah. Attendez. Maintenant, à la page 594. À la page 594. À la page 594. Le cheikh dit, rahimahullah, mais ce qu'il dit ici, c'est moi qui l'ai résumé. C'est-à-dire, il n'a pas dit mot à mot ce que je vais dire, mais c'est ce qu'il a voulu dire. Il a voulu dire, si par exemple, il a dit, rajulun usiba bihadith, si par exemple, un homme a fait un accident, ou un qata'at rijluhu, et yani, il vient de perdre son pied. Il a dit, un homme ou une femme, la même chose, a fait un accident, il a perdu son pied. Son pied, par exemple, on lui a coupé. On lui a amputé un pied. Par exemple, la fille, par exemple, il a la gangrène. On va lui enlever un pied. Est-ce que le pied qu'on va lui enlever, ou bien la main qu'on va lui enlever, est-ce qu'on va prier sur ce pied? On va prendre le pied, le mettre dans le cercueil et aller avec les gens, Janaza, et enterrer le pied et faire la prière. Non, il a dit non. Il a dit non. Pourquoi? Parce que cette personne qui a perdu son pied, son âme est toujours dans son corps à cette personne. Et cette personne est toujours vivante. Toujours vivante. Mais s'il a fait un accident, tel a fait et on n'a pas trouvé son corps. Et on n'a trouvé que son pied. Nous sommes allés. Dans ce cas,
on va prier sur son but. J'espère que c'est clair, Inch'Allah ta'ala. C'est clair. Je résume, si une personne a perdu son pied, par exemple, ou son bras, ou. Non, je ne vais pas dire elle a perdu sa tête, car là, ça ne marche pas. Mais si elle a perdu son pied, par exemple, ou sa tête, on le lui a coupé, on ne va pas prier sur son pied, ni sur yani, son bras, parce que la personne est toujours vivante. Qu'est-ce qu'on fait? On fait, yani, on enveloppe ce bras ou ce pied dans un drap, non, et ou là, dans un sachet ou là, on va quelque part, on fait un petit trou et on enterre la robe. Sans faire janaza, sans appeler les gens, sans dire aux gens, ni rien. Non. Mais si jamais la personne maintenant vient de faire un accident, vient de faire un accident, et yani, elle est morte et on n'a pas trouvé son pied. Par exemple, elle a été brûlée. Mais on n'a pas trouvé la personne. Elle a été brûlée, mais yani, on a trouvé quand même un bras, c'est tout ce qui reste. Ou là, un pied. Après, par exemple, une forte déflagration de bombe. Non. Une forte bombe qui a explosé devant elle. On n'a pas trouvé la personne, on a trouvé juste son pied. Ou là, sa main. Qu'est-ce qu'on fait? Non. On va prier sur son pied. Ou là, on va prier sur yani, son bras, car ça représente la personne. Non. À la page 606, le cheikh rahimahullah dit: قال بعض العلماء يستحب لمن زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتجه إلى القبلة بعد السلام عليه ويدعو. Le cheikh rahimahullah dit: certains savants ont dit que il est conseillé pour celui qui rend visite à la tombe du prophète صلى الله عليه وسلم, c'est-à-dire à Médine, que et après que il lui dit salam alayka, après qu'il le salue, il est conseillé, il a dit que il se tourne vers la Qibla. Il se tourne alors vers la Qibla et commence à faire des doigts. Il commence à faire des doigts. Si maintenant il va faire des doigts en face du prophète, en face de sa tombe, que entre parenthèses il ne voit pas, mais ça va rentrer dans le shirk. C'est-à-dire qu'il demande à quelqu'un qui est mort de l'aider ou d'être avec lui, de le secourir, etc. Ça rentre dans le shirk. C'est pour ça que les savants disent, il se tourne d'autre côté, c'est-à-dire il donne son dos à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il se met en face de la Qibla et fait des doigts. Le shirk, donc ça c'est très connu chez les savants. Le shirk dit, donc, comme ça, disent les savants. Mais voilà ce que disent le shirk. Wa sawab, mais le plus juste, khilaf ou dalik. Mais le plus juste, c'est le contraire de cela. Wa anna hadha al-makan, et que cet endroit-là, qui est endroit ici, c'est-à-dire la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas un endroit où on va faire des doigts. Donc vous avez compris, la plupart des savants disent que quand on arrive à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après l'avoir salué lui, Abu Bakr et Omar radiallahu ta'ala anhuma, on se retourne vers la Qibla et on fait des doigts. Mais Cheikh Ibn Uthaymeen dit, c'est pas ça la vie le plus juste. La vie le plus juste, c'est que on dit seulement salam à ces trois, Naam, et on ne fait pas de doua là-bas. Car ce n'est pas de la sunna de faire les doua devant une tombe, même si c'est la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Ensuite, il a dit, là je n'ai pas cité la page, là je n'ai pas cité la page. Il a dit, lorsqu'on va visiter les tombes, vous savez que, en partant devant un cimetière, qu'est-ce qu'on dit? On dit salamu ala al-diyar min al-mu'minin al-muslimin. Hein? Salam, donc, ala al-diyar, sur ceux, salam sur ceux, sur disons, les habitants, hein, de ces maisons. Les habitants de ces maisons, c'est qui? C'est les morts. Hein? Donc, on les salue. Hein? Il a dit, le cheikh rahimallah, laysa fihi annahum yasma'un al-khitab. Il a dit, quand on leur dit salamu alaykum, il a dit, ce n'est pas une preuve que les morts nous entendent. Car certains vont te dire, comment? Si tu leur as dit salam, ça veut dire qu'ils entendent. C'est pas possible de saluer quelqu'un qui n'entend pas. On ne salue pas quelqu'un qui n'entend pas. Non. Mais le cheikh a montré, rahimahullah, que yani, ce n'est pas une obligation qu'ils nous entendent. La preuve, c'est quoi?
La preuve, le hadith de Omar, très connu, vous connaissez, Omar radiallahu ta'ala, quand une fois il est allé devant la pierre noire et il s'est adressé à elle. Il lui a dit, Wallahi, je sais, en lui parlant à la pierre, Wallahi, je sais que ni tu peux y aller faire un bien, ni tu peux faire un mal. Et si ce n'est que j'ai vu le messager, alayhi sallam, t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. Donc Omar, quand il parlait à la pierre, est-ce qu'elle l'entendait? Elle n'entendait pas. Non. Et ce qui est arrivé à Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam, une fois, il est rentré comme ça dans une petite mare, comme ça. Non. Il est rentré pour se laver. Et il était tout nu. Il avait déposé ses vêtements sur une pierre. Sur une pierre. Ensuite, Allah Ta'ala a fait de sorte que la pierre, le gros caillou, un petit rocher comme ça, s'est enfui. S'est enfui avec quoi? Avec yani, les vêtements de Moussa alayhi salam, et Moussa alayhi salam courait. Le hadith se trouve dans Sahih Bukhari, pour ceux qui ne croient pas. Et Moussa alayhi salam est sorti en courant vers yani, cette pierre ou là, ce caillou-là. Il disait, Ya Hajar Thawbi, Ya Hajar Thawbi, pour toi la pierre, yani, mes vêtements, c'est-à-dire rends-moi mes vêtements. Est-ce que yani, la pierre entend? Elle n'entend pas, mais il lui parlait. Même nous quand on fait salat, même nous, quand on fait salat, on dit tahiyatullah, zakiyatullah, par exemple, hein, il y a beaucoup de formules. Tayyibatullah, salamu alayna wa ala ibadillah salihin. Quand on dit salamu alayna wa ala ibadillah salihin, salamu alayna, c'est clair. Mais salamu ala ibadillah salihin, sur yani, toutes les personnes qui sont pieuses. Est-ce que les personnes qui sont pieuses m'ont entendu? Ils n'ont pas entendu, pourtant, j'ai dit salam au yani à l'ibad la. Autre chose, ici c'est le adhan de Salat l'Aïcha. Je dois m'arrêter, inshallah ta'ala, pour qu'on se rencontre, inshallah ta'ala, dans yani, une demi-heure à peu près. Inshallah, quand je reviens, je trouve, inshallah ta'ala, que vous serez aussi en même temps dans le salon d'Europe pour qu'on ne perde pas de temps, inshallah ta'ala. Pour commencer directement, n'oubliez pas pour les questions de les classer en commençant par celles qui ont rapport au cours, Inch'Allah Ta'ala. Et aussi, n'oubliez pas quand vous posez une question d'écrire à la fin ou là au début S ou bien F. S c'est une sœur, F c'est un frère. Comme ça, quand Muslim me lit, je sais yani, à qui je suis en train de répondre. Bi'idhnillahi Ta'ala. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc on débute les questions, Inch'Allah. Et c'était juste pour faire une petite remarque. Apparemment, il y a des personnes qui n'ont pas compris la consigne qu'on leur avait donnée. Pour un frère ou une sœur, il faut le mettre dans le titre, Inch'Allah. Pas dans la question. Dans le titre de la question. Et cher, donc j'étais en train de trier les questions et pour l'instant, je n'ai eu aucune question en rapport avec le rappel de ce soir. Donc ce sont des questions d'ordre général, Inch'Allah. Le son est clair? Barakallahu fikoum. Donc la question d'une sœur. Salam alaikum, Cheikh Anna. Une femme vivant seule avec ses enfants, peut-elle retirer son hijab pour travailler, sachant que le hijab est interdit et qu'elle a besoin de travailler pour s'en sortir avec ses enfants, sachant qu'elle n'a pas de mahram ni de mari? Barakallahu fikoum, Cheikh. Question suivante. Question d'un frère. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya Cheikh. Quelle est la bonne croyance à propos de Amina, la mère du prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Les savants sont-ils unanimes sur elle? Est-elle croyante ou kafira? Quels sont les adillahs? Est-ce que ce jugement est aussi valable pour les personnes qui sont mortes avant la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui n'ont apparemment pas commis de shirk? Veuillez nous éclaircir sur ces points, inshallah, wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Question d'une sœur, salam alaykum wa rahmatullah. Un cheikh s'appelant Abdullah Oudban ou Ouzban Saoudien, il présentait Al-Bayna dans la chaîne Iqra, est venu dans notre mosquée faire un dars sur la hijra. En conclusion, il disait que c'était mieux de rester dans un pays de kufr si nous n'avions pas peur pour notre pratique, car nous servons
pour la da'wah et qu'il était obligatoire de fuir ce pays si notre pratique était en baisse, ou bien si l'un des piliers était atteint, ou bien des obligations. Pouvez-vous me confirmer, barakallahu fikoum, Cheikhana? Question suivante. Salam. Donc là, c'est la question d'un frère. Non, enfin, la question d'une sœur. Salam alaikum. Cheikh, que répondre à ceux qui disent que les textes du Coran ont un sens caché, que seules certaines personnes peuvent connaître? Question d'une sœur. Salam alaikum wa rahmatullah, Cheikh. Un frère souhaite se marier avec moi. Il est actif dans la religion et le seul problème, c'est qu'il ne parle pas la langue de mes parents. Du coup, j'ai bien peur qu'il y ait un problème de communication. Est-ce une vraie excuse pour refuser ce frère? Barakallahu fikoum. Tfadal, cher. Alaykoum salam, rahmatoullahi wa barakatouh. Est-ce que c'est possible de... J'ai pas bien entendu la première question, son début. Donc ça m'a tfadal. Donc je la répète, Inch'Allah. Une femme vivant seule avec ses enfants peut-elle retirer son voile pour travailler, sachant que le voile est interdit et qu'elle a besoin de travailler pour s'en sortir avec ses enfants? Elle n'a ni de mahram ni de mari. Tfadal cheikh. Alhamdoulilah. Donc pour la dernière question, comme ça pour ne pas être obligé à l'écrire tout, pour la première question, la dernière question à poser, le problème de communication dont elle est en train de parler, c'est à elle, Inch'Allah Ta'ala, yani, c'est elle qui sait mieux que nous, est-ce que le fait que s'il n'y a pas une bonne communication entre son mari, yani, et ses parents, c'est pas en âme. Est-ce que ça peut engendrer des problèmes ou pas? Non. Je ne sais pas, moi, comment sont ses parents? Est-ce que ce sont du genre qui disent nous, on s'en fout? L'essentiel, c'est que notre fille soit heureuse. Maintenant, qu'il parle allemand ou anglais ou je ne sais pas quoi, mais ou bien sont des parents sévères et méticuleux et qui mettent comme condition, celui-là, s'il ne parle pas comme nous, on va pas l'accepter. Donc, c'est à elle, Inch'Allah Ta'ala, yani, de bien méditer sur ce problème, de se concerter avec ses parents et de prendre ensemble, ils prennent, Inch'Allah Ta'ala, une décision. Bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Naam. Pour la première question, retirer son voile pour aller travailler, est-ce que je comprends par là, vous me confirmez, hein, est-ce que je comprends par là qu'elle enlève donc son voile? Donc, elle va montrer ses cheveux, etc. Donc, c'est ça. Elle va enlever le voile. Ça veut dire que elle va enlever ses cheveux, montrer ses cheveux, mettre une jupe. Voilà. Non. Si c'est comme ça, moi je dis, Allah subhanahu wa ta'ala alam, que une personne qui a vraiment de la foi, non, ne doit même pas penser à cette chose, bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala. Je sais que, sûrement que cette personne, à une situation sociale vraiment difficile. C'est pour ça qu'elle a pensé à ça. Mais, ôter le voile pour aller travailler, voilà, c'est un peu comme dire, j'arrête la salade pour aller travailler. Bien, je bois de l'alcool pour aller travailler, c'est tout ce que j'ai trouvé. Nous on dit, quiconque craint Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui faire une issue. Ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a dit, c'est pas moi. Si c'était moi ou la X ou Y, on aurait dit peut-être c'est un menteur. Allah Ta'ala, quand il dit une chose, il a dit Man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Celle-là, elle doit voir, et sûrement qu'elle trouvera mille et une issues pour travailler chez des gens, ou bien travailler, ou bien se marier, ou bien faire la hijra, ou. Mais, ôter le voile, vraiment, ça c'est quelque chose de difficile. Et, j'allais dire, sûrement que je ne peux pas, prendre une décision pareille. Maintenant, si elle contacte un grand savant et que lui dit tu peux enlever, ça, alors qu'elle prenne de l'avis de ce grand savant, si c'est vraiment un grand savant, car je ne pense pas qu'un savant dise une chose pareille. Allah subhanahu wa ta'ala, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala Tout-Puissant de l'aider et de lui faire une issue. Et je dis par là que tous ceux qui connaissent par exemple cette sœur, qui habitent dans son quartier ou bien la connaissent, non, si jamais ils ne font pas quelque chose pour l'aider et que le shaitan
va voir le dessus et elle va enlever le hijab pour aller, yani, comme on dit, gagner le pain. Donc tous ceux qui la connaissent, hommes et femmes, auront des péchés demain devant Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Pour la deuxième question, en ce qui concerne la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je dis, Allah subhanahu wa ta'ala alam, vous m'entendez confirmer, la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam est morte mushrika. La mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam est morte mushrika, polythéiste. Elle et qui? Elle et son mari, c'est-à-dire le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui veut bien comprendre cette chose, qu'il lise le livre de Cheikh Al-Albani rahimahullah, Silsila Sahiha, je crois que c'est dans le tome numéro 1, si je n'ai pas oublié, où il donne toutes les preuves que quoi? Que ceux qui ont vécu à l'époque où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la prophétie, ceux-là, ils étaient en train de suivre, yani, et ceux qui sont avant eux aussi, suivaient, yani, millet Ibrahim. Il leur restait quelque chose du dîn de Ibrahim alayhi salam. Et Ibrahim, c'est le père, comme vous savez, des mouhidines. C'est le père des monothéistes. Mais après, ils ont quoi? Ils ont dévié du chemin. Ils ont dévié du chemin. C'est pour cela que, yani, le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa mère sont morts kuffar. C'est pour ça qu'il y a un hadith dans Sahih Muslim où quelqu'un a demandé au prophète alayhi wa sallam, il lui a dit, ya Rasulallah, où est mon père? Il lui a dit, il est finnar, en enfer. Ensuite, l'autre, quand il a rebroussé les talons pour partir, le prophète alayhi wa sallam l'a appelé, il lui a dit, écoute, il s'est retourné, il lui a dit, mon père et ton père, les deux, il a dit, mon père et ton père sont en enfer. Et Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, dans Mjmu' al-Fatawa, a ramené un hadith authentique qui se trouve aussi dans Sahih Muslim, ou bien Sahih Bukhari, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé une fois visiter la tombe de sa mère. Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, hein, est-ce qu'il pouvait faire des doigts pour elle, pour que Allah ta'ala descende sur elle sa miséricorde? Il n'a pas accepté. Allah ta'ala lui a dit non. Et il est interdit de demander des doigts de miséricorde seulement sur une personne qui est kafira. Ensuite, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de lui permettre de lui rendre visite. Il a accepté. Il a dit, tu peux lui rendre visite. Ibn Taymiyyah, dans Mujmu' al-Fatawa, a fait un commentaire sur cette histoire dans ce hadith, hadith authentique. Il a dit, il ne lui a pas permis qu'il lui fasse des doigts. Il lui a permis qu'il aille la visiter. Donc, on prend de cela la permission, le fait de la permission d'aller visiter la tombe d'un mouchrik. La permission d'aller visiter la tombe d'un mouchrik. Pourquoi? Car sa mère, alayhi sallam, est morte mouchrika. Voilà, inshallah ta'ala, pour la réponse. Et c'est ça la vie le plus sûr, inshallah ta'ala. Il y a un hadith aussi dans le silsila sahiha du Cheikh Al-Albani, où Aïcha radiallahu ta'ala anha a parlé au prophète d'une certaine personne qui s'appelle Jed'an ou quelque chose comme ça, Jed'an, Abu Jed'an ou quelque chose comme ça. Elle lui a dit, ya Rasulallah, yani, il faisait ceci, il faisait cela, yani, du bien. Yani, où est-il? Yani, sera-t-il au paradis? Il a dit, la ya Aïcha, non ya Aïcha. Lam yaqul yawman, Rabbi ghfirli, na'am, ghadan yawm al-hisab. Jamais il n'a dit, Allah, pardonnez-moi demain quand je vais vous rencontrer. C'est-à-dire, il faisait du bien, etc., mais il n'est pas rentré en islam. Donc, c'est un mouchrik. Donc, c'est ça la vie, inshallah ta'ala, le plus juste que ceux qui ont vécu dans la période anti-islamique, avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, étaient des gens qui avaient dévié et qui étaient devenus polythéistes. Pour la troisième question. Pour le savant qui est venu faire des cours dans la mosquée, il a dit que c'était mieux de rester dans Bilad Kofr pour ceux qui n'ont pas peur, etc. Est-ce que vous pouvez m'écrire, c'est qui son nom? Son nom. Est-ce que vous pouvez m'écrire, Muslim? Est-ce que tu peux m'écrire, c'est qui son nom? J'ai pas bien entendu son nom. J'attends, Inch'Allah.
Il a dit Abdullah Ghudban. Je ne connais pas qui c'est Abdullah Ghudban. Je dis, les savants ont dit, il faut faire la différence en ce qui concerne la hijra entre celui qui, par exemple, est né là-bas et celui qui, de lui-même, il est allé là-bas. Les deux maintenant, les deux, celui qui est né là-bas et celui qui, de lui-même, est allé là-bas. Si maintenant ils ont peur de tomber dans le coffre, ou bien dans la zina, ou bien dans l'alcool, ou bien dans la débauche, doivent faire leur possible pour quitter le sol des kofars immédiatement. Reste que celui qui de lui-même est allé vivre là-bas a plus de péché que celui qui vivait là, qui est né là-bas. Car celui qui est né là-bas, il est possible que il n'ait pas yani, les moyens de venir ici. Il ne connaît personne, il n'a pas d'argent, il n'a pas de famille ici. Il n'a pas un pied. Un pied, comme on dit, sur terre ou la deux terres, il n'a pas ici. Non. Tandis que celui qui de lui-même est parti là-bas, celui-là, il a sa famille ici, il a ses oncles, ses cousins, son grand-père. Celui-là, il a beaucoup plus de péchés s'il reste là-bas. Surtout si quoi? S'il a peur des fitnas, si à chaque fois il a peur, il dit j'ai peur d'arrêter la salat, j'ai peur de revenir comme j'étais auparavant, etc. C'est très grave. En ce sens, s'il reste là-bas, ce n'est pas la peine de vous dire le verset. Vous connaissez tous le verset des anges qui sont venus aller enlever l'âme de certains qui sont payés dans le pays, qui sont morts dans un pays de coffre, et qui leur ont dit, Fimakuntum, qu'est-ce que vous faisiez là? Ils ont dit, on était faibles, etc. Et ils leur ont répondu, Alam takun ardullahi wasi'atan. La terre de l'Allah n'est-elle pas étendue, grande, etc., pour que vous alliez ailleurs ou là vous alliez quelque part. Et il a dit, et que ceux-là, quand ils vont mourir, ils vont rentrer à Jahannam. El Mohim, reste quoi? Peut rester là-bas dans le pays de Kufr, qui? Par exemple, celui qui a une fonction officielle, par exemple un ambassadeur. Il faut bien qu'on ait un ambassadeur en France. Il faut bien qu'on ait un consul en France. Il faut bien qu'on ait dans l'ambassade. Et dans le consulat, il faut bien qu'il y ait des gens, des secrétaires, des je ne sais pas qui travaillent là-bas. Ceux-là, ils ont quoi? Ils ont des excuses. Et peut rester là-bas, il est excusé. Quelqu'un, par exemple, qui fait la da'wah. Quelqu'un qui est, masha'Allah, il a un bon niveau. Il a un bon niveau, il a, masha'Allah, le din. Et celui-là, maintenant, quand il vient, les gens, yani, comment qu'ils vont faire pour apprendre leur religion? Il va les délaisser comme ça, comme un troupeau qui n'a pas de berger. Celui-là, il a une excuse pour rester là-bas. Mais celui qui ne fait rien là-bas, quand il est tout le temps là-bas en train de, yani, dans les rues, dans les jardins, dans je ne sais pas où, yani, non, il n'a aucune fonction là-bas. Et en plus de cela, il a peur des fitnas. Celui-là, s'il meurt là-bas, c'est grave pour lui. Il a été là. Pour la quatrième question, et la personne qui a dit que certains textes du Coran avaient un sens caché. Là, on va dire à cette personne, ne parle comme ça et ne dit une phrase comme ça qu'un égaré. Et plus exactement, un égaré dans le soufisme. Un soufi. Là, ne dit comme ça, ne dit comme ça. Qu'un égaré, et plus précisément un soufi ou alors un chiite, dans la chia. Les chia qui disent que, pas tout le Coran, yani, c'est pas comme vous le comprenez, par exemple, quand Allah Ta'ala a dit, dans le Coran, et dans les chia, je veux dire les rawafid, bien sûr, par exemple, quand Allah Ta'ala a dit dans le Coran, Maraj al-Bahrayni al-Taqiyan, il a dit quand les deux mères, yani, Maraj al-Bahrayni al-Taqiyan, se rencontrent. Quelque chose comme ça, la rencontre des deux mères. Il a dit, les deux mères, c'est qui? C'est pas l'Atlantique ou la mer Méditerranée. Non, ils ont dit la mère, les deux mères, c'est qui? C'est Fatima et qui? Et Ali ibn Abi Talib. Non. Yukhruju minhuma l'ou ou le marjan. Comme Allah Ta'ala a dit, deux sortes, les émeraudes et le marjan, je ne sais pas comment ça s'appelle. Non. Ils ont dit, l'ou ou le marjan, c'est qui? C'est le Hassan ou le Hussein.
Et comme ça. Et comme Allah Ta'ala dit dans le Coran, Inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara. Comme Moussa a dit, Allah Ta'ala, à Ben Israël, Allah Ta'ala vous demande d'égorger une vache. Ils ont dit, la vache, c'est Aïcha. La vache, c'est Aïcha. Quand vous vous dites, c'est une vache normale, vous ne comprenez pas bien le Coran. Pourquoi? Le Coran a des sens cachés. Seuls les wali, awliya Allah, peuvent connaître ces sens-là. Celui qui dit comme ça, yani, on n'est pas savant pour dire de lui, il est kafir. Mais on dit, la moindre des choses, c'est un égaré égareur. Quelqu'un qui a été égaré et qui égare des gens, oulayadu billah. Allah Ta'ala dit dans le Coran, bel huwa, en parlant du Coran, mais il est, bel huwa, ayatun bayyinat. Mais il est, c'est, yani c'est le Coran, c'est des versets clairs. Ayat, des versets bayyinat. Clair, bayin, c'est clair. Et le prophète, alayhi m'a dit, taraktukum, je vous ai délaissé, vous l'avez laissé, al-mahajjatil bayda, sur la clairvoyance, laylouha kanahariha, aussi bien la nuit que le jour. Tout est clair pour vous, aussi bien la nuit que le jour. Et celui-là, il dit non, il y a des choses qui sont cachées, qu'on ne comprend pas. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver de l'égarement. Naam. Voilà, inshallah ta'ala, pour les 5 premières questions. Tfadbal. Donc, ta question suivante, Inch'Allah. Cher, je vous rappelle qu'on a commencé, il était 9h moins 10. Donc 8h moins 10 chez vous en Algérie. Donc c'est la question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La question est la suivante. Où va l'âme d'un non-musulman quand il a quitté le corps? Nous entend-il? Nous voit-il? Se rappelle-t-elle qu'elle a un ou plusieurs, qu'elle a un ou plusieurs enfants, qu'elle est mariée, etc. Voilà, Inch'Allah, barakallahu fikoum. Moi, je suis strict, cher, Inch'Allah. C'est un rappel, Inch'Allah. Il faut être strict parfois. Question suivante, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cette question est de la part d'une sœur. Elle a des problèmes avec son mari et elle est sous stérilet. Elle aimerait savoir si elle peut enlever son stérilet sans dire à son mari pour avoir un quatrième enfant. Sachant que lui n'en veut plus, mais elle fait ça sans lui dire, avec l'intention d'arranger leur couple, Inch'Allah. De plus, cher, elle aimerait savoir si elle peut aussi mentir et au cas où elle tombe enceinte, lui dire qu'elle avait le stérilet, car il ne veut pas d'autres enfants, et en plus, ils ont des problèmes dans le couple. La sœur insiste sur le fait qu'elle fait cela pour arranger leurs problèmes. Barakallahu fikoum yachir, puisse Allah Ta'ala vous accorder le firdaus. Question suivante. Salam alaikum. Dans ma ville, le fajr est à 6h17, et shorouk est à 7h33. Puis-je me lever une demi-heure avant Chorok pour faire El Fajr avec ou sans raison valable? Question suivante. Question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-il possible de donner le mauvais œil en regardant une photo ou une vidéo ou encore par téléphone? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Cher, samedi passé, vous avez dit qu'on ne pouvait pas jeûner Shawwal et les dettes du Ramadan en ayant la même intention. Donc c'est la question d'une sœur, chère. Le problème, ya Cheikh Hana, c'est que je vous avais déjà posé la question il y a quelques mois, vous disant que je l'avais fait, et vous m'aviez répondu que Inch'Allah c'était bon. Donc ce mois de Shawwal, j'ai jeûné les 6 jours en ayant deux intentions, celle des jours de Shawwal et celle des menstrues. Que dois-je faire maintenant, cher? Dois-je rejeûner mes jours de menstrues encore une fois? Et dans ce cas-là, Allah me comptera les 6 jours. Ces jours-là, et dans ce cas-là, ce seront mes jours de Shawwal qui ne seront pas comptés. Que dois-je faire, ya cher? Barakallahu fikoum. Puisse Allah vous accorder le Firdaus. Inch'Allah, j'aurai pas de problème, cher.
Faites dua, inch'Allah, j'aurai pas de problème. Tfadal, cher. Naam, Inch'Allah, je demanderai subhanahu wa ta'ala que tu n'aies pas de problème. Naam. Car tu sais maintenant la mentalité des femmes. Al-Muhim, si c'est possible, Inch'Allah ta'ala, de répéter la première question, je ne l'ai pas entendue. Et dans la troisième, tu as dit que le Fajr c'était à 6h17. Ensuite, tu as cité une deuxième heure que je n'ai pas citée, que je n'ai pas entendue. Tu as dit 6h17 et. Combien? Non, donc je vous répète, Inch'Allah, la première question. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma question est la suivante. Où va l'âme d'un non-musulman quand il a quitté le corps? Nous entend-il? Nous voit-il? Se rappelle-t-elle qu'elle a un ou plusieurs enfants, qu'elle est mariée, etc. Tfadashir. Est-ce que tu m'as entendu que j'ai dit aussi que pour la troisième question, tu as écrit 6h17 et Chouro, c'est à 7h33. Bon. Non. Donc le Sobh, c'est à 6h17. On le fera à 7h33. Est-ce qu'il a dit qu'il s'est levé yani, pendant le Chouro ou là? J'ai pas bien compris. Qu'est-ce qu'il a dit se lever quand? Il a dit se lever une demi-heure avant Chorok, avec ou sans raison valable. Fadal. Et pour la première question, où va l'âme quand yani Malik al-Maut l'a fait sortir du corps? Vous savez que quand elle sort du corps, bi'idhnillahi ta'ala, vous m'entendez, Malik al-Maut la donne aux anges qui sont venus avec lui. Aux anges qui sont venus avec lui pour la mettre, comme vous savez, dans un cercueil ou bien. Un cercueil d'enfer ou bien un cercueil du paradis. Non. Ensuite, yani, ces anges, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont monter avec cette âme jusqu'à ce qu'ils arrivent au premier ciel. Le premier ciel, il est fermé par une grande porte. Non. Ils vont frapper et ils vont voir. Si on ouvre à cette personne, c'est Masha'Allah. Si on lui ouvre, non. Ensuite, les anges qu'il y a dans le premier ciel vont yani, vont, yani, comment on dit ça, yani, vont le, bon, vont aller avec lui aussi pour monter jusqu'au deuxième ciel. Ensuite, comme ça jusqu'au troisième ciel, à chaque fois les anges sont eux qui montent avec lui, ils prennent la relève jusqu'à ce qu'ils arrivent à un endroit où ils le mettent, yani, où Allah subhanahu wa ta'ala va dire que, yani, Abdi, que cette personne, yani, je suis ravi d'elle. Je suis ravi d'elle. Ensuite, il va dire, ramenez-la sur terre. C'est là-bas, yani, que je les ai créés. C'est là-bas qu'ils vont mourir et c'est de là-bas qu'ils vont ressortir. Ensuite, on fait redescendre cette âme pour qu'elle aille où? Pour qu'elle aille, yani, avec les gens, maintenant au cimetière. Ensuite, pour qu'on prie sur elle et que elle aille au cimetière et ensuite qu'elle soit enterrée. Et maintenant, elle va se mettre au-dessus du cercueil et elle va parler si c'est quelque chose, si elle va sentir, elle saura déjà maintenant, puisqu'elle est montée et redescendue. Maintenant, si c'était une âme de croyant, elle va dire, Yani, Esri Oubi, faites vite, parce qu'elle est pressée, elle sait que, Masha'Allah, ce qui l'attend, Yani, c'est les délices, etc. Maintenant, si c'est l'autre, le cas contraire, Yani, quand on va monter avec cette âme, on ne va pas lui ouvrir le premier ciel, et on va la jeter du premier ciel. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, « ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان ساحر. » Comme ça dit Allah ta'ala, il a dit, et celui qui ne croit pas en Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien celui qui fait du shirk, il a dit, yani, on va le jeter, il va dire, c'est comme s'il tombait dans le dos, c'est-à-dire c'est quand ils vont le jeter. Allah l'a dit,
Quelqu'un, on prend une personne, on la jette du 10e étage. Imaginez maintenant du 20e, du 100e étage, du 100e, on va jeter une personne. Imaginez, on va le jeter des milliers de kilomètres, des milliers de kilomètres du premier ciel, si ce n'est pas des millions de kilomètres. Qu'est-ce qu'il va ressentir en se voyant tomber comme ça? Ensuite, quand il va être sur le linceul, hein, ou le cercueil, je ne sais pas comment ça s'appelle, il va dire Ya weylata, ya weylata, ayna tadhhabu biha? Ya weylata, oh malheur, où est-ce que vous allez prendre cette âme? Où est-ce que vous allez yani, la mettre? Bien sûr, la personne demande aussi, et cette âme, yani, est-ce qu'elle sait, est-ce qu'elle voit, est-ce qu'elle pense à ses enfants? Elle ne pense à rien, ni à ses enfants, ni à longtemps. Hein? C'est l'âme d'un non-musulman. L'âme d'un non-musulman, c'est pire. L'âme d'un non-musulman, c'est pire au liadoubillah. L'âme. Mais, comme je disais, yani, elle n'a pas le temps de penser ou de savoir. Elle ne pense que, yani, où est-ce qu'elle va aller et ce qu'elle a fait. Et ce qu'elle a fait. Parce que déjà, juste avant de mourir, elle va voir des milliers d'anges, yani, tous habillés en noir. Non, comme a dit le prophète Ephraim, à vue d'horizon. Elle va voir des milliers, si ce n'est pas des millions d'anges, tous habillés en noir, yani, avec un cercueil ramené d'enfer et yani, une odeur puante comme on n'en a jamais senti, pour qu'il sache déjà qu'est-ce qu'il attend. Ajoutez à cela, quoi? Yani, combien yani, et comment on va le frapper, comment on va frapper cette personne yani, pour sortir son âme, bi-idhnillahi ta'ala, comme a cité Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. Il dit, Allah ta'ala, si tu voyais hein, les anges, quand ils sont en train de doter l'âme, l'âme des kuffars, yani, en les frappant sur leur visage et sur leur derrière. Imaginez des anges en train de frapper quelqu'un yani, qui est sur le point de rendre son âme, alors que nous on ne voit pas. On dit, yani, il nous paraît normal. Il va dire, j'ai assisté à la mort d'un kafir qui n'arrêtait pas d'insulter Allah Ta'ala, mais il n'a pas été frappé, il est mort normal. Peut-être même qu'il a souri. Il a souri, il est mort. Non, il a souri. Il a souri pour toi. Mais pour, si tu savais si tu pouvais yani, mettre les lunettes de l'au-delà, tu aurais vu alors là vraiment quelque chose de grave. C'est un peu comme quelqu'un qui dort. Quelqu'un qui dort, tu vas t'approcher de lui, tu dis, Masha'Allah, celui-là, peut-être même qu'il sourit, il doit sûrement faire de beaux rêves. Alors que peut-être il est en train quoi? Dans le rêve, il est en train de pleurer, d'hurler, il y a un serpent qui court, qui veut le mordre, il y a la police qui court derrière lui, il y a un voyou qui veut le poignarder, il y a ceci, il y a cela. Mais toi, tu ne vois pas. Tu le vois en train de dormir normalement. Non. Et pour la personne pour la personne qui a dit que ça se sort, c'était à quoi? À 6h17. Et que le chourouk à 7h30. Et que lui, il se lève une demi-heure avant le chourouk. C'est-à-dire, il se lève à 7h. Donc, il reste de 7h17 jusqu'à 7h. C'est-à-dire, 40 minutes pour qu'il fasse la prière. Naam. Je dis à cette personne, attention, naam, attention à ce que tu fais, bi-idhnillahi ta'ala, naam, tu ne dois pas dépasser 7h17 de plus de quoi? De 20 minutes. De plus de 20 minutes, naam, et des fois, c'est juste 10 ou 15 minutes. Des fois, c'est juste 10 ou 12 minutes. Naam. Mais rester comme ça 40 minutes, naam, je crois que, si je crois, je suis sûr qu'Inch'Allah Ta'ala, si tu fais une salade pareille, que peut-être tu l'as fait avec des péchés. Tu l'as fait avec des péchés. Non, il ne faut pas laisser comme ça. Il faut juste 10-5 quarts d'heure, maximum 20 minutes, et faire la prière, bi'idhnillahi ta'ala. Mais comme je vous ai dit une fois, il faut que vous reveniez vers le calendrier qu'il y a chez vous. Vous avez un calendrier, avec UCFM, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, il paraît Allah subhanahu wa ta'ala alam, que c'est le calendrier le plus proche par rapport aux horaires, par rapport aux horaires de la salat. Naam. Enfin, pour la quatrième question, c'est la personne qui dit UOIF, c'est ça, UOIF, barakallahu fik. Ils ont dit que ce calendrier était le plus proche
par rapport yani, aux horaires de la salat, même si l'UOIF, c'est un truc de ikhwan musulmans et de frères musulmans, là, hein, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que ce calendrier a été quoi? A été approuvé par les savants. C'est ça ce qui m'intéresse. Hein, c'est l'approbation des savants. Ça y est. Pour le mauvais œil, je dis, Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Je dis, Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam, que je pense que la photo a aussi un rôle dans le mauvais œil. Je crois, Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Pourquoi je dis comme ça? La preuve que la photo a aussi un rôle dans le sihr, dans la sorcellerie. Des fois, dans la sorcellerie, j'ai même pas besoin de voir la personne. Le sorcier dit, ramène-moi juste une photo. Non. Et sur la photo, il peut mettre yani, du sihr, et la chose va arriver à la vraie personne. Je pense, Wallahu ta'ala alam, que peut-être aussi pour la photo, en la voyant comme ça, s'il ne dit pas, yani, mashallah, ou il ne dit pas, Allahumma barik, ou là, il est possible qu'il lui fasse attraper un mauvais œil. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Non, si j'arrive à confirmer cette information, je vous le dirai, Bédina subhanahu wa ta'ala. Enfin, pour la dernière question. La sœur dit qu'une fois elle a posé la question sur le fait de prier, la fois, le fait de jeûner, en même temps les dettes et en même temps Shawwal, et que j'ai dit que c'était possible, je dis, Wallahu subhanahu wa ta'ala alam, si j'ai dit comme ça, peut-être que j'ai cru qu'elle avait quoi? Qu'elle avait jeûné, yani, quelques jours de dettes, et même dans ce cas, non, même dans ce cas, yani, pour que. Je répète, pour que elle puisse yani, jeûner elle se nefi là, il faut quoi? Il faut qu'elle ait commencé par ses dettes. Car c'est le hadith qui a dit comme ça. Il a dit quiconque jeûne le ramadan et le fait suivre de 6 jours de Shawwal. C'est comme s'il avait jeûné toute l'année. Il a dit quoi? Quiconque jeûne le ramadan, ensuite le fait suivre. Donc maintenant, si quelqu'un va commencer par les jours de Shawwal, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'a pas jeûné le ramadan. Pourquoi? Parce que la femme, yani, pendant le ramadan, il faut qu'elle reste quelques jours sans quoi? Sans jeûner. Donc, il faut qu'elle jeûne le ramadan. Et pour jeûner le ramadan, il faut qu'elle commence par ses dettes. Ensuite, quoi? Ensuite, elle peut jeûner, yani, les autres jours de Nafila. Maintenant, si c'est autre chose à part Shawwal, si c'est autre chose, Ashura, si c'est. Je ne sais pas, lundi, jeudi, si c'est Arafat. Dans ce cas, elle peut joindre entre les deux niyas. Parce que ça n'a rien à voir, non, ça n'a rien à voir avec les 6 jours de Shawwal. Quant aux 6 jours de Shawwal, il faut qu'elle commence par les dettes. Donc, si j'ai dit autre chose, c'est que peut-être je me suis trompé. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Non, si je lui ai dit comme ça, peut-être que yani, j'avais pas bien médité. Wallah subhanahu wa ta'ala. Mais si quelqu'un peut trouver cette fatwa, où se trouve, monsieur Doc, si quelqu'un peut me dire cette fatwa, yani où se trouve, plutôt cette réponse, où se trouve-t-elle sur le site, pour que je l'enlève, bi'idhnillahi ta'ala. Trois dans les 50 questions. Donc les 5 questions suivantes. Salam alaikum, cher. Qu'Allah vous récompense en bien, ainsi que ceux qui s'occupent de la room et du site. Je voudrais savoir, est-ce que le sohur est obligatoire ou une sunna? Si on ne le prend pas, est-ce que notre jeûne est valable? Question suivante. Salam alaikum, barakallahu fikoum pour ce cours. Pourriez-vous me redonner le nom du livre que vous avez cité la semaine dernière? Livre que toute personne sachant lire l'arabe doit avoir à la maison, d'une personne qui a tout pris de Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Et pourriez-vous réexpliquer l'explication sur le fait qu'Allah a créé Adam alayhi salam à son image? Car je n'ai pas tout compris, surtout quand vous avez parlé des 20 mètres. Barakallahu fikoum. Question suivante. Question d'un frère. Salam alaykoum, cher. Un frère demande. Il voudrait faire une muqabala avec une sœur âgée de 19 ans, qui est partie de chez ses parents pour préserver sa religion. Entre parenthèses, ses parents ne sont pas pratiquants. Le frère veut faire une muqabala en présence d'un des mahrams de cette sœur, père ou frère. Mais la sœur prétend que si elle demande à son père, celui-ci refusera d'être présent.
Quelle solution y a-t-il pour ce frère et cette sœur? Et comment le frère pourra-t-il voir si cette sœur lui plaît, car la sœur porte le sitar et a pris l'avis qu'il est obligatoire? Jazakumullah khairan. Question suivante. Question d'une sœur. Salam alaikum cher. Une sœur a toujours le même problème. Chaque mois, elle a ses règles environ 15 jours. À cause que ça passe par des étapes très longues. 15 jours à cause que ça passe par des étapes très longues. La cause est que ça passe par des étapes qui sont très longues. Au début, c'est un peu marron et plus rien. Et 3 jours après, le sang arrive et à la fin, elle attend longtemps son fil blanc. C'est sec et après, elle s'essuie et elle voit du blanc, mais n'entache pas le gros fil. C'est une femme qui a le fil chaque mois. Ce mois-ci, elle a eu le fil blanc pur et 5 minutes après, elle a eu le fil blanc sale avec du rosé dedans. Que doit-elle faire? Car elle a peur de trop attendre et de louper les prières chaque mois. La sœur stresse, n'est pas rassurée. Barakallahu fikoum. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une sœur voudrait savoir si elle veut se marier, peut-elle prendre son père non musulman comme tuteur? Entre parenthèses, aucun de ses mahrams n'est musulman. Peut-elle se marier sans l'accord de son père non musulman, même si cela va peut-être faire rompre leur lien de parenté, barakallahu fikoum. Par contre, par rapport à cette question, Allahu a'lam, la personne doit confondre le tuteur et le mahram. Tfadal cheikh. En ce qui concerne la quatrième question, la personne qui parlait de monstrueux, à la fin ça a coupé. À la fin, il y avait des coupures. Ça, j'ai pas entendu la fin de la question. Non, je la répète, Inch'Allah, cher. Une sœur a toujours le même problème. Chaque mois, elle a ses règles environ 15 jours. La cause est que cela passe par plusieurs étapes très longues. Au début, c'est un peu marron et plus rien. Et 3 jours après, le sang arrive et à la fin, elle attend longtemps son fil blanc. C'est sec et après, elle s'essuie et elle voit du blanc. Mais n'entache pas le gros fil. C'est une femme qui a le fil chaque mois. Ce mois-ci, elle a eu le fil blanc pur et 5 minutes après, elle a eu le fil blanc sale avec du rosé dedans. Que doit-elle faire? Car elle a peur de trop attendre et de louper les prières chaque mois. La sœur stresse et n'est pas rassurée. Barakallahu fikoum. Tfadal cheikh. J'avais oublié une question de la terminer. Ça, pour celle qui a joint entre les 6 jours de Shawwal et en même temps les dettes, s'il y avait, je dis, s'il y avait l'intention des dettes et de Shawwal, si c'est pas accepté Shawwal, c'est les dettes qui seront prises en compte. Donc si elle avait aussi l'intention des dettes, en même temps elle a dit c'est Shawwal, si maintenant ça ne va pas compter, ce sont les jours de Shawwal qui ne vont pas compter. Et c'est les monstrues qui seront comptés. Quant à sa dernière question, un fois on me dit, on whisper, on me dit, un fois on me dit que vous avez oublié la question sur la soeur qui a des problèmes avec son mari. Vous avez oublié la question sur la soeur qui a des problèmes avec son mari. Je ne me rappelle pas quelle est la question de la soeur qui a des problèmes avec son mari. Si quelqu'un, un admin, peut me rappeler. Mousseline, je te donne le micro. C'est quoi cette question? C'était la question avec le stérilet. La sœur qui a le stérilet, son mari ne veut pas avoir d'enfant et elle a des problèmes de couple. Elle demande est-ce qu'elle peut enlever le stérilet sans lui dire. Et si elle tombe enceinte, elle dit à son mari que pourtant elle avait le stérilet. Donc elle nie, elle ne comprend pas pourquoi elle est tombée enceinte, sachant qu'elle veut faire cela dans le but d'arranger des problèmes de couple. Donc elle demande si c'est autorisé. Premièrement, pour le stérilet, il faut faire attention. Il faut faire attention comment. Et un nez stérilé, ce n'est pas quelque chose qu'on peut mettre comme ça facilement. Facilement, la femme va aller chez une femme
Je parle pas si elle va chez un homme. Si elle va chez un homme, ça vraiment, elle a fait un grand péché. Mais même chez une femme, hein, des fois, il n'y a pas de raison. Des fois, il n'y a pas de raison, c'est juste pour ne pas avoir d'enfant, là, pour y se passer. Ou là, elle va dire, je vais mettre le stérilet. Donc, elle va devant une femme, elle va se dénuder, elle va lui montrer ses parties intimes, elle va. Enfin, beaucoup de choses. Ça, ce n'est pas une raison, hein, pour aller faire le stérilet. Ce n'est pas une raison, maintenant, le stérilet. C'est vraiment grave pour la femme. Là, si elle accouche, elle risque de mourir. Si elle tombe enceinte, elle risque de mourir. Si c'est cela, là, peut-être ça peut être yani, une excuse. Mais si c'est juste pour ne pas yani, avoir de grossesse ou là, ce n'est pas une raison pour aller comme ça s'exposer yani, devant une autre femme. Surtout qu'il y a d'autres moyens. Il y a d'autres moyens. Il y a les préservatifs, il y a l'osmone. Il y a les pilules, il y a le fait de si d'isoler sa femme. Il y a mille et une choses qui permettent yani, de ne pas avoir de grossesse sans arriver à aller au stérilet. Maintenant, autre chose, ce n'est pas interdit, c'est interdit de mentir et de dire que yani, j'ai toujours le stérilet et il y a un enfant. C'est interdit de mentir. Mais elle peut parler yani, en faisant croire. En lui faisant croire que le stérilet existe toujours, c'est-à-dire sans mentir. Il va dire qu'on se parle là, comment, yani, avec le stérilet, yani, j'ai eu un enfant. Je ne suis pas obligé de dire j'ai enlevé, mais je peux dire que personne ne peut entraver quoi? La volonté d'Allah Ta'ala. Personne ne peut entraver la volonté d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala, s'il veut, un caillou là, un rocher, même, il aura un bébé. Il dit. Il y a un rocher, il lui dit, accouche, il va accoucher d'un bébé. Non. Donc, je peux parler avec quoi? Avec ce qu'on appelle en arabe le ma'arid. Mais je ne peux pas mentir et dire, j'ai le stérilet alors que je ne l'ai pas. Ou j'ai pas le stérilet alors que je l'ai. Non. Ensuite, autre chose. Non. Pour le souhour. Le souhour, ce n'est pas obligé. Le suhoor, c'est une sunna, une recommandation. Celui qui le fait, il a un ajr, il a des ajr. Celui qui ne le fait pas, il n'a pas de ithm, il n'a pas de péché, bi'idhnillahi ta'ala. Mais c'est recommandé, le prophète a.s. l'a recommandé au point, il nous a dit que si vraiment il n'y a pas de suhoor, que ce ne soit yani, al-aqal, au moins une gorgée d'eau. Il a dit au moins quelqu'un qui prend une gorgée d'eau, il la met dans sa bouche. Avec l'intention que c'est sûr. Juste, il y en a tellement, c'est demandé, c'est recommandé. Non. La deuxième question, la personne dit que j'avais parlé d'un livre, etc. Mais de quel livre ai-je parlé? Non. Il faut que quelqu'un me rappelle. Il faut que quelqu'un me rappelle quel est le livre que j'ai parlé. Ah, attendez, attendez. À moins que, pour Allah subhanahu wa ta'ala, le livre, non. Ah, Allah, l'Awa'isha, ça, l'Awa'isha. Quand j'ai parlé, le Moussoua Fiqhiya Jazakallahu khairan. Voilà donc le livre, c'est de quelqu'un qui s'appelle l'Awa'isha. Si quelqu'un, bien sûr, pouvait nous traduire ce livre qui contient 3, 6, 7 ou 8 tomes, ce serait Masha'Allah. Quelqu'un pourrait aller le traduire en français. Al-Muhim. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui l'aide, yani. Quelqu'un pour qu'il arrive à faire à cette tâche. Al-Muhim. Donc voilà comment s'appelle le livre. Al-Mawsu'a al-Fiqhiyya. Déjà, quand on dit Al-Mawsu'a de l'Awa'isha, déjà c'est connu. Mais ça, c'est pour ceux qui ont l'arabe. Pour ceux qui ont l'arabe, ce livre est très important. Pour ce que j'ai dit en ce qui concerne Adam, que Allah Ta'ala a créé Adam à son image, comme vous l'avez remarqué, yani, j'ai assez parlé la fois passée et donné des délits, etc., que je ne voudrais pas répéter maintenant, non, mais je dis juste très brièvement que le hadith qui a dit que Allah Ta'ala a créé Adam à son image, certains ont compris à son image, c'est-à-dire à l'image de Allah, et d'autres ont compris à son image, et c'est-à-dire à l'image de Adam. Non. La première compréhension, c'est comme celle de l'imam Twijeh, un grand savant d'Arabie Saoudite,
Et la deuxième compréhension, c'est-à-dire que l'image de Adam ici et non pas l'image d'Allah, c'est la compréhension de Cheikh Al-Albani rahimahullah. Et il a cité la fin du hadith. Allah Ta'ala a créé Adam à son image 30 mètres de hauteur, mais de grandeur. Il a dit donc, c'est une preuve qu'il parlait de Adam et non pas il parlait d'Allah subhanahu azzawajal. Naam. Voilà donc pour ce hadith. Est-ce qu'il y a autre chose dans ce hadith à dire? Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. Pour la muqabala, naam, la sœur qui dit que yani, si j'ai bien compris, elle ne vit plus avec ses parents. Ensuite, maintenant, elle veut faire une muqabala et il n'y a pas de mahram, mais ceci, cela. Je lui dis tout simplement, je dis à cette sœur, supposons que tu fasses muqabala et ensuite, là, tu as fait la muqabala, vous vous êtes plus l'un à l'autre. Ça y est. Et maintenant, est-ce que tu peux te marier sans tuteur? Est-ce que tu peux te marier sans tuteur? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, à quoi ça sert de faire muqabala si je ne peux pas me marier? Il faut que j'ai un tuteur. Ah, mais le tuteur, je crois que son père est vivant et qu'elle ne vit pas avec lui, elle dit qu'il n'applique pas, etc. Moi, s'il est musulman, c'est lui son tuteur. S'il est musulman, c'est lui le tuteur. Ensuite, elle dit qu'elle porte le niqab. Elle porte le niqab, donc si elle fait muqabala, comment qu'elle fait? Si elle fait muqabala, elle enlève le niqab. Obligée. Obligée, si elle fait muqabala, d'enlever le niqab. Sinon, il n'a rien vu. Donc, ce n'est pas la peine de faire muqabala. Hein? Il n'a rien vu. La preuve, s'il la rencontre, il y en a deux mains, à visage découvert, il ne va pas savoir que c'est celle-là qu'il l'a vue. Donc, hein? Si on fait muqabala et on reste avec le niqab, il vaut mieux ne pas faire muqabala. Hein? La personne qui a parlé des règles, etc., et que ça a duré 15 jours, non, et qu'elle disait qu'à la fin, elle voyait un fil blanc, le fil blanc, elle le voyait, mais ensuite, elle dit, je ne sais pas combien de temps après, ou les 5 minutes, ou les 2 jours là, elle dit qu'elle voit des taches roses, ou la rosée, ou quelque chose comme ça. Je lui dis, sois rassuré, bi-idhnillahi ta'ala, sois rassuré que, après la vision du fil blanc, tout ce qui vient après n'a pas d'importance. Après la vision du fil blanc, pour celles qui ont le fil blanc, hein, si après il y a des taches marron, rouge, ou n'importe quoi, ça ne compte pas. Ça veut dire je suis pur, je prends la douche et je commence la prière. Comme disent la plupart, si ce n'est pas tous les savants de l'islam. Non. Et pour la dernière question, elle dit qu'elle a un tuteur non musulman. Elle a un tuteur non musulman. Comme des. Je suis en train de réfléchir pourquoi elle a dit ça. Elle a dit, j'ai un tuteur non musulman. Taïb, Barakallahu fik, est-ce que tu peux reprendre la dernière question? J'ai oublié pourquoi elle a dit ça. La dernière question. C'est avec le tuteur, cher. C'est ça, hein, la question avec le tuteur. Non, donc la question dit, une sœur voudrait savoir si elle veut se marier, peut-elle prendre son père non musulman comme tuteur? Parenthèse, aucun de ses mahrams n'est musulman. Peut-elle s'en marier sans l'accord de son père non musulman, même si cela va peut-être faire rompre leur lien de parenté? Et j'en profite juste, il y a un frère qui a posé la question sur Chorok, les 30 minutes avant. Il demande en fait, parce que la finalité de sa question, c'était est-ce qu'il a droit, est-ce qu'il peut faire salat 30 minutes avant Chorok sans raison valable? Il précise bien sans raison valable. Tfadachir. Justement, j'ai dit non. J'ai dit que elle pouvait pas faire ça sans raison valable, ni avec des raisons valables. Pas de raison. Pas de raison pour rester tout ce temps pour faire la prière. La prière du sobr est très importante. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, il a dit à certains gens, certains sahaba, hein, yani, aidez-moi à ce que yani, vous préserviez la salat, une salat avant, yani,
le lever du soleil et une salat avant le coucher du soleil, c'est-à-dire Sobh el Asr, et je vous garantis, bidnillah ta'ala, le paradis. Salat al Sobh et salat al Asr, ça fait rentrer au paradis. Men salat al Bardain dakhal al Jannah. Quiconque fait la salat Sobh et Asr en son heure rentre au paradis. Dans un autre hadith dans le Bukhari. Donc toi, tu joues avec la salat, l'une des salats les plus importantes. La salat Sobh, il faudrait lui donner son importance et quoi? Et régler son réveil ou bien son téléphone ou là, dire à quelqu'un de le réveiller et aller prendre ses précautions pour la faire à l'heure. Pour la faire à l'heure. Naam. À quoi ça sert que je me réveille pas juste pour dormir un quart d'heure de plus ou bien une demi-heure. Qu'est-ce que je gagne dans un quart d'heure, une demi-heure si j'ai gagné la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai gagné la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Tayyib, on disait, pour la dernière question dont elle parlait, le tuteur non musulman. Quand une femme, son tuteur n'est pas musulman, c'est-à-dire elle n'a ni père, ni frère, ni fils, ni qui sont musulmans pour la marier, dans ce cas, naam, c'est par exemple un imam peut la marier. Elle va vers un imam qui est connu dans son minha, etc. Naam, et elle lui propose de la mariée, bi-idnillahi subhanahu wa ta'ala. Ensuite, dans la question avant cela, je crois que, est-ce que le père qui ne fait pas salat est considéré comme wali ou pas? Quand par exemple on a un père qui ne fait pas salat, quand on a un père qui ne fait pas salat, même, lui a fait des rappels, etc., pour qu'il fasse salat, on va voir maintenant de quel genre il est. Est-ce qu'il dit non, il n'y a pas salat? Je ne reconnais pas la salat. La salat, c'est pour les retardés. La salat, c'est pour les... Enfin, il dit des choses, il y en a vraiment, il y en a qui sont des paroles de coffre. Dans ce cas, il ne peut pas être wadi. Non. Mais si quelqu'un qui dit, non, là, je reconnais, et chaque fois que je dis, Inch'Allah, je vais commencer comme ça, non. Dans ce cas-là, d'après Cheikh Al-Albani, il est toujours musulman. Mais s'il se moque de la salade, il dit, c'est quoi cette salade? Les gens sont montés sur la lune et vous parlez toujours de salade. Hein, moi, je vais me plier comme ça, comme commence à rire sur la salade, etc. Dans ce cas, il ne peut pas être tuteur car il n'est pas musulman. Mais même dans le cas où il reconnaît la salade, il ne la fait pas seulement avec paresse. Ce serait mieux aussi de ne pas le prendre comme wali, mais de ne pas le prendre comme tuteur, mais c'est-à-dire sans lui montrer, sans le vexer, sans pour que je garde toujours quoi ma bonne relation avec mes parents, même s'ils sont kofar. L'islam t'ordonne à bien te comporter avec tes parents, même s'ils sont des mécréants, subhanallah, même s'ils sont des bouddhistes. Non? Il y a ce qu'on appelle l'amour naturel, l'amour des parents, même s'ils sont des bouddhistes. Je les déteste dans leur dîn et je les aime dans leur relation familiale. J'aime mon père car il est mon père et je le déteste à cause de sa religion. Naam, ça, il faut apprendre à joindre entre les deux et c'est compatible bi-idhnillahi ta'ala. La preuve, c'est compatible, naam, dans le dîn. Je ne l'aime pas, mais s'il me dit, va m'acheter du pain, je vais lui acheter. S'il me dit, va m'acheter du lait, je vais lui acheter. S'il me dit, emmène-moi, montre-moi l'arrêt du bus, je le prends jusqu'à l'arrêt du bus, alors que c'est un bouddhiste, alors qu'il a la croix yani sur ses vêtements, c'est un chrétien. Non, c'est toujours ton père, c'est toujours ton père. Mais dans le dîn, non. Quand il me dit, mon fils, va m'acheter de l'alcool, je lui dis, demande ce que tu veux, mais pas l'alcool, mon père. Ce n'est pas que te désobéir. La preuve, je t'ai dit, demande ce que tu veux. Demande, je vais t'acheter du pain, du gâteau, des nougats, tout ce que tu veux. Mais seulement, je ne peux pas acheter l'alcool parce que l'alcool, c'est interdit chez nous en islam. Et tu sais bien que je suis musulman, cher père. Et moi, je dis, même si le père est un... j'ai pas voulu prononcer le mot. Tu n'as pas remarqué que je l'ai remplacé par nougat? Tu n'as pas remarqué, j'ai dit des nougats. Pourquoi j'ai pas dit aubergine? Je disais, même quand on a un père qui ne fait pas la salat,
qui fait pas la salat seulement par paresse. Il la reconnaît, mais il la fait pas seulement par paresse. Si je peux, je ne le prends pas comme wali. Par exemple, je demande à mon frère, qui fait la salat, etc., par exemple, naam, de me marier. Naam, c'est lui qui me fait le mariage. Ensuite, naam, on fait comme ça, comme quoi on allait yani, faire le mariage alors qu'on l'a fait déjà. On invite le père, etc. Naam, et on fait comme ça quelque chose juste devant ses yeux. Alors que on a déjà fait l'acte de mariage, par exemple, c'est mon frère qui l'a fait. Parce que mon père ne fait pas la salade, par exemple. Ou bien, je dis à mon père, on essaye de le convaincre qu'il donne, par exemple, la tutelle à mon frère. On lui dit, parce que mon frère, yani, il sait parler mieux que toi en arabe, c'est lui qui, yani, par exemple, il connaît mieux les hadiths, etc. Alors, on lui donne la tutelle pour me marier. Comme ça, on joint entre les deux pour ne pas, yani, pour ne pas yani, rendre le père en colère et pour ne pas perdre les relations avec lui. Wallahu ta'ala alam tafadhal. Donc la question suivante, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Qu'Allah vous élève en degré ainsi que les admins. Dans un de vos cours, j'ai cru comprendre qu'on pouvait raccourcir et ou regrouper les salats. Pouvez-vous préciser ou rectifier si j'ai mal compris? Barakallahu fikoum, cher. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je fais partie d'une association. Il m'arrive des fois de devoir demander à des frères des informations concernant l'association. Est-ce que cela est considéré comme de la fornication? Allah yajzakum bikhair. Question suivante d'une sœur. Salam alaikum. Lorsque deux frères ou un homme et sa femme font salat ensemble, est-ce que celui qui guide la salat doit se détourner de la qibla pour faire les doigts? Barakallahu fikum. Question suivante. J'ai pas compris la première ni la deuxième. Non, donc je répète, Inch'Allah, cher. Dites-moi, cher, hein, si le son est mauvais, dites-le-moi, Inch'Allah. Est-ce que le son est correct? Alhamdulillah. Donc je répète, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Qu'Allah vous élève en degré ainsi que les admins. Dans un de vos cours, j'ai cru comprendre que l'on pouvait raccourcir et ou regrouper les salats. Pouvez-vous préciser ou rectifier si j'ai mal La compris? base virale Barakallahu fikoum, VPS cher. a été mise à jour. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je fais partie d'une association. Il m'arrive des fois de devoir demander à des frères des informations concernant l'association. Est-ce que cela est considéré comme de la fornication? Allah yajzakum bikhair. Question suivante d'une sœur. Salam alaikum. Lorsque deux frères ou un homme et sa femme font salat ensemble, est-ce que celui qui guide la salat doit se détourner de la qibla pour faire les doigts? Barakallahu fikum. Question suivante d'une sœur. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum pour le temps que vous nous accordez. Qu'Allah vous préserve ainsi que vous, ainsi que votre famille, Afwan. Une sœur demande. Je me suis converti, walhamdulillah, puis je me suis marié en 2008. Mais je n'avais pas encore de connaissances sur les règles du mariage, donc ma belle-famille m'a demandé de ramener des personnes de ma famille, entre parenthèses, qui, je suppose, ont dû faire le rôle de tuteur. Ce sont mes beaux-frères qui sont venus, entre guillemets, musulmans, mais qui ne pratiquent pas. Le mariage a été réalisé, nous avons eu des enfants, walhamdulillah. Avec le temps et approfondissant la religion, je me suis posé des questions telles que est-ce que mon mariage est valable? Sinon, pour le refaire, sachant qu'on habite ensemble avec les enfants, doit-on observer un délai de séparation? Si oui, de combien de temps? Car j'ai lu beaucoup de choses différentes, puis-je enregistrer car la sœur n'est pas présente. Barakallahu fikoum. Question suivante, Inch'Allah. Salam alaikum, cher. Hayakum Allah. Pour la prière de Qiyam al-Layl, est-ce que l'on doit faire comme les prières normales concernant le fait de dire que Surat al-Fatiha dans les deux dernières? Doit-on faire comme les prières normales concernant le fait de dire que Surat
Non, est-ce que l'on doit faire comme les prières normales concernant le fait de réciter que Sourate al-Fatiha dans les deux dernières raka'a? Jazakumullah khairan. Tfadal Cheikh. Chauffe l'akh Karim, je te lis les questions que j'ai. Allah subhanahu wa ta'ala, je n'en ai que quatre. La première, c'est pour le fait de raccourcir les salats. La deuxième, l'association de parler avec des frères. Non. La troisième, c'est la reconvertie, le mariage, est-ce qu'il est valable avec? La quatrième, pour la prière de la nuit. Non, mais il manque celle sur les deux hachir. Je la répète, Inch'Allah. Lorsque deux frères ou un homme et sa femme font la salat ensemble, est-ce que celui qui guide la salat doit se détourner de la qibla pour faire les deux hachir? Tfadal Cheikh. Pour la première question, elle a dit, la personne l'a dit, est-ce que yani on raccourcit la salat ou là quelque chose comme ça? Et elle a dit, est-ce que je me trompe, reprenez-moi. Mais yani, j'attendais moi la fin, j'attendais qu'elle dise par exemple, est-ce qu'on raccourcit si on fait 20 km ou là. Mais en fin de compte, qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Je n'ai pas compris. Première question. Dans un de vos cours, j'ai cru comprendre que l'on pouvait raccourcir et ou regrouper les salates. Donc elle donne aucun contexte, cher. Elle parle de façon générale. À un moment, vous auriez dit que l'on pouvait donc les regrouper. Pouvez-vous préciser ou rectifier si j'ai mal compris? Tfadal, cher. Je dis franchement, je n'ai pas compris cette question. Franchement, mais peut-être, Wallahu a'lam, peut-être qu'elle veut parler de, quand j'ai dit une fois ou deux fois que, quand on voyage, on raccourcit la prière, mais ce n'est pas obligé qu'en groupe. Et j'ai dit que, peut-être c'est de ça qu'elle parle. Tadda. Non, cher, le rapprochement à faire, Wallahu a'lam, c'est peut-être au moment où on avait posé la question sur la salat dans les toilettes. Lorsque vous aviez parlé que certains chouyours avaient autorisé le fait de regrouper la prière lorsque vraiment il n'y avait pas d'autre solution. Wallahu a'lam, elle parle peut-être du moment où vous avez parlé de ça. C'était il y a 2 semaines environ, lorsque la question vous avait été posée sur la salle de bain et les toilettes. Wallahu a'lam, tfadal, cher. C'est pour cela que quelqu'un, quand il pose une question, il doit essayer, Inch'Allah ta'ala, d'être précis, de donner certaines précisions pour aider à ce que la réponse soit vraiment, soit adéquate avec la question. Donc je reviens à cette question, je dis que, vu que ceux qui habitent dans des pays où l'islam n'est pas pratiqué, donc, ça devient des fois un problème, par exemple, pour le fait de prier. Surtout pour ceux, par exemple, qui travaillent dans certains endroits où on les quoi? On les. Comment qu'on dit? Je cherche le mot. On leur interdit de prier, par exemple. J'ai dit que certains savants ont donc donné un statut spécial. Un statut spécial à ceux qui habitent comme ça dans des pays où il n'y a pas d'islam. Ils leur ont dit que pour eux, c'était permis par exemple de regrouper entre les salats, de regrouper, plutôt que de ne pas la faire du tout. Donc quelqu'un qui groupe entre Dhuhr et Asr, c'est mieux que quelqu'un par exemple qui ne fait pas la prière du tout, il la laisse jusqu'à la nuit. Non. Donc c'est comme ça pour cette question. Ensuite, pour la deuxième question, qui dit qu'elle travaillait dans une association qui de temps en temps, je crois que c'est une femme, Wallahu alam, elle dit de temps en temps, elle parle avec des frères à propos de l'association pour poser des questions, etc. Est-ce que ça rentrait dans la fornication ou ça rentrait pas? Non, je dis, Wallahu subhanahu wa ta'ala alam, que ça n'avait rien à voir avec la fornication. Quand quelqu'un se trouve dans le besoin de parler, non, il parle, non, et se suffit à la chose dont il a besoin, et ça ne rentre pas dans
la fornication. C'est un peu comme une femme qui, dans la rue, demande où se trouve le boulanger, ou bien parle avec un policier, ou bien un âne. Ça n'a rien à voir avec la fornication. Mais ce qui n'est pas bien, c'est que quand elle n'est pas dans le besoin de parler, et qu'elle va parler, non seulement parler, mais elle va discuter, plaisanter, rire, et je ne sais pas quoi. Non. Je pense que c'est par rapport à la ayah de la taqrabou zina. La taqrabou zina. Non. Non, la taqrabou zina, ça ne rentre pas quand quand quoi? Quand on a besoin de parler. Non, quand on a besoin de parler pour demander une chose, surtout si c'est mon travail, etc., ça ne rentre pas ça dans la traboussina. Mais ça rentre quand j'ai dit, quand une femme n'a rien à faire, elle va pour discuter, pour plaisanter, pour parler des films, pour parler de, je sais pas, des habits, de la mode, tout ça c'est interdit. Et si elle parle parce que c'est besoin, c'est un besoin, dans ce cas ce n'est pas interdit. Non. Pour l'autre question, elle a dit, une personne dit, quand un homme, par exemple, guide sa femme dans la salat. Maintenant, quand ils ont terminé la salat, est-ce que si quelqu'un veut faire des doigts, il doit rester en face de la Qibla ou bien se retourner? D'abord, sachez que quand quelqu'un guide quelqu'un derrière lui, maintenant qu'il a terminé la salat, celui qui guide, il doit se retourner vers qui? Vers celui qui guidait ou vers les gens qui guidaient. Car c'est mal poli de leur donner, qu'il leur donne son dos. Mais il doit se retourner vers eux et faire, dire astaghfirullah, astaghfirullah, faire le tisbih et comme ça. Non. Ensuite, sachez que faire des doigts après la salat, ce n'est pas dans la sunna. Ce n'est pas dans la sunna du prophète de faire des invocations après la salat. Mais la vraie sunna, c'est quoi? C'est de faire les invocations dans la salat, pas après. Elle parlait du dhikr. Ah, autre chose. Non. Pour faire le dhikr, ce n'est pas une recommandation d'être en face de la Qibla. C'est recommandé de faire des doigts en face de la Qibla, pas le dhikr. Le dhikr, on le fait dans n'importe quelle position. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il a dit il a dit ceux qui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala qiyaman, en étant debout, ou qu'uudan, en étant assis, et sur leur côté, sur leur flanc. Donc, dans ces trois positions, on peut invoquer Allah subhanahu azza wa jal. Naam. Ensuite, pour la reconvertie, la question est: c'est est-ce que lui qui a guidé la prière doit se retourner comme l'imam de la mosquée, même s'il n'y a que ça qu'on dirait lui, un frère à côté? Non, c'est ce que je disais, il doit se retourner. Il doit se retourner car il est comme l'imam. Il n'y a pas de différence entre l'imam de la mosquée et lui. On ne donne pas de son dos à la personne à qui qu'on vient de guider. Mais on se retourne vers elle. On se retourne vers elle. Non, c'est comme ça que doit faire un imam. Ensuite, pour la reconvertie, qui s'est mariée et qui ne savait pas que le tuteur devrait être un musulman, et que le tuteur devrait être quelqu'un qui est prié, etc. Maintenant, pour sortir des doutes, qu'est-ce qu'elle fait? C'est bien de refaire l'acte de mariage. C'est bien de refaire l'acte de mariage, l'acte shara'i, pas l'acte de la mairie. L'acte shara'i, c'est-à-dire juste, d'inviter un imam par exemple à la maison, et ça prend pas plus de 5 minutes. Et de faire venir le tuteur, si c'est une personne qu'on prend comme tuteur, un autre imam ou je ne sais pas qui, et deux témoins, et inchallah ta'ala, de sortir de quoi? De sortir des ambiguïtés. Et ce serait mieux encore, naam, je dis, ce n'est pas de se quitter de la maison, mais de quitter le lit, de ne pas être ensemble dans le lit jusqu'à, après avoir refait cet acte de mariage pour sortir des ambiguïtés, c'est-à-dire, ce n'est pas interdit de se parler, d'être ensemble à la maison, mais de ne pas se toucher jusqu'à faire l'acte de mariage et sans attendre de délai de viduité ni rien. Non.
Alors, il n'y a pas ici un divorce. Enfin, pour la prière de la nuit, la personne dit, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Yani, dans les deux dernières unités, est-ce que c'est mieux, par exemple, de lire seulement le Fatiha? De lire seulement le Fatiha. Je dis, la sunna de la nuit, la sunna de la prière de la nuit, c'est comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, salatul layli, maintenant, maintenant. Il a dit, la salat de la nuit, c'est deux unités, deux unités, deux unités, comme ça. C'est ça la vraie prière de la nuit. Tu fais deux et tu dis salam alaykoum. Tu te relèves. Tu fais deux, tu dis salam alaykoum. Et tu te relèves. Donc, si tu fais deux, deux, hein, tu es obligé de lire le Fatiha. Et ce serait mieux de lire à chaque fois une sourate avec le Fatiha. Ce serait, inshallah ta'ala, la meilleure façon, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Non. Taïb, on a terminé, inshallah ta'ala. Je vous donne le micro. Est-ce qu'il reste quelque chose? J'ai oublié quelque chose ou la tfadal. La personne ici, je vois un whisper, qui parlait de monstre, le fil blanc, etc. Il dit, et si, des fois, elle voit seulement une tache blanche? Je lui dis, ne se précipite pas. Si elle a l'habitude de voir le fil blanc, donc la tache blanche, c'est, je crois, Allah ta'alam, alam, c'est le début. Donc elle attend un peu la vision du fil blanc, bi'idhnillahi ta'ala, ou bien les pertes blanches. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour ma part, cher, je n'ai rien à dire, inshallah. Je ne sais pas si le frère Ibn Mohamed, si le frère Akh Mohamed, ont d'autres remarques à faire. Là, s'il y a des frères et sœurs qui sont en PV avec eux, dans la même devoir, inshallah. Jazakumullah khair, mon cher, qu'Allah vous récompense grandement et vous accorde le Firdaus. Barakallahu fikoum. Amin, wa barakallahu fik. Muslim, ne pars pas parce que après le cours, inshallah ta'ala, j'aurai besoin de toi 5 minutes parce que j'ai un problème avec le stéréo mixte, ce qu'on appelle stéréo mixte. Naam. Aujourd'hui, donc, c'est mercredi. Bi'idhnillahi ta'ala, yani, samedi, inshallah ta'ala, on va commencer des cours. Une seconde. Hein. Samedi, inshallah ta'ala, on va commencer les cours, c'est-à-dire d'une façon officielle, parce que on disait juste quelques fawaïd. Maintenant, on va commencer les cours, inshallah ta'ala. Pour le samedi, comme vous savez, on a toujours Riyad Salihin, explication chez Ibn Uthaymeen, rahimahullah. Et pour le mercredi, chaque fois on lit quelque chose, cette fois on va commencer quelque chose dans la Aqidah. On va commencer peut-être quelque chose, inshallah ta'ala, de facile. Peut-être qu'on va lire yani, un résumé de Cheikh Salah al-Sheikh qui a expliqué le livre de Ani Tawhid, Kitab Tawhid, expliqué par Cheikh Salah al-Sheikh. Mumkin, Wallahu alam, ou bien ici, fondement, quelque chose comme ça. On dit qu'il y a beaucoup de nouveaux dans le salon et de nouvelles qui yani, ne sont pas vraiment forts dans la Aqidah et qui, pour eux, Safariniya, c'est très élevé. D'ailleurs, quand je vous l'ai dit la fois passée, maintenant, après la fois passée, j'ai aussi reçu yani, un email où on me dit que vraiment, Safariniya a dit c'est difficile. Ça fait pas yani, peut-être une semaine que j'ai reçu ça. Après vous avoir dit que j'avais déjà reçu. Le moyen. On va peut-être commencer avec un livre simple, plus ou moins yani, que la plupart peuvent yani, comprendre. Inch'Allah ta'ala. Pour les autres, ce sera une révision. Mais comme vous savez que même si certains ou là, beaucoup de vous ont lu le livre que je vais faire, sûrement qu'il y aura toujours quelque chose de nouveau qu'ils n'ont pas entendu. Bi'idhnillahi ta'ala. Donc, subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.